L'industrie et le bâtiment sont les secteurs les plus touchés avec une baisse d'activité de presque 5%. Et même si une reprise est attendue pour l'année 2010, l'emploi reste durement touché. On prévoit une croissance de l'ordre de 2,2% en termes de chiffre d'affaires. Ce qui nous inquiète, nous, de notre côté, c'est l'évolution de l'emploi. On n'a pas de reprise de l'emploi. Aujourd'hui, on prévoit un emploi stable par rapport en 2010 par rapport à 2009, ce qui nous fait dire, dans la vision que nous avons, nous, institutions en chambre de commerce, que ce n'est pas une vraie reprise. Certains secteurs sont toujours porteurs d'emplois, comme les services, mais les postes proposés y sont souvent plus précaires. Maintenant, il est vrai que dans le service, et notamment dans certains services, où effectivement on peut former des gens assez rapidement, des collaborateurs assez rapidement, il y a un peu plus de précarité d'emploi que dans l'industrie, où il y a des savoir-faire et des temps de formation qui sont très très longs. Eux ne connaissent pas la crise, les hypermarchés ont pour la plupart considérablement augmenté la surface de leurs magasins.